Tiens, mais c'est pas les jeux ouverts, c'est juste pour le nom. Ah, c'est Moka, c'était Moka TCL. Ah, mine de rien. D'accord, ça doit être une des, toi, une filiale à mon avis, c'est mon gaming de la marque TCL. Voilà. Moi, c'est surtout celui-là, c'est HKC, puisque bah parce que j'ai déjà de leur écran. Voilà. Donc ça permet HKC écran OLED P2 49 pouces. C'est tout ce que j'aime. 240 Hz, 0,3 millisecondes de rafraîchissement, FreeSync, c'est très bien. Il y a d'ailleurs des écrans, j'ai toujours le leur et il marche très bien. Voilà, encore une fois, c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas mal. Oh, avec les caméras et tout en haut, il est où celui-là ? Il est où lui ? Ça, c'est bien, vous voyez ? Enfin, dans la configuration où, si vous êtes comme moi, j'adore mon iMac parce qu'il y a tout dedans. Il y a les haut-parleurs, il y a la caméra et tout. Quand tu achètes un écran, même les écrans qui ont des caméras, souvent, c'est pas ouf. Souvent, c'est pas ouf. Et ce qu'on pourrait vouloir, c'est même au niveau du son. Toi, tu pourrais dire, ouais, mais là, le son, il est pas ouf. Là, toi, apparemment, ils ont un module que tu vas pouvoir mettre au-dessus. Ça permettra d'intégrer, toi, tout l'éclairage comme ça. Ah, d'accord. Ok, c'est juste des LED, pas une caméra. C'est dommage. Moi, j'aurais mis une webcam. Ouais, ça fait un petit éclairage, un petit rétroéclairage. Alors lui, il est en train de prendre des contacts. Oh, celui-là, comment il est beau, regardez. Il y a un gros module derrière. Celui-là est pas mal aussi, j'aime bien. Celui-là est pas mal aussi. Pour mettre... voilà, ça c'est le genre d'écran, j'aime bien, vous voyez, ce genre d'écran HKC. Comme on a pu voir un petit peu en bas dans la partie gaming. Alors eux, ils ont des leur cam. C'est normal, mais on pourrait vouloir, vous voyez, un peu ce genre de modèle comme ça pour jouer aux jeux de voiture et tout, c'est d'enfer. Et en fait, et en même temps, même pour travailler, si comme moi, par exemple, vous avez deux écrans, l'un à côté de l'autre, souvent, ou un séparé et tout, là, ça permet d'avoir deux bureaux, vous voyez, généralement, au niveau du logiciel, on a essayé de faire deux écrans partagés, ça permet d'avoir un bureau ici et un bureau là. Par exemple, là, vous pouvez faire votre le logiciel de montage, on a la timeline qui est pas mal. Vous avez votre partie à gauche, vous allez pouvoir bosser un petit peu. Et la partie à droite, vous allez pouvoir avoir par exemple des news, des choses qui tournent et tout. C'est très... il est incroyable celui-là. Alors ça, c'est du mini LED. Là, on est sur du OLED. Après, là, on passe sur du Smart MNT. Ok, pourquoi pas. Écoute, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. C'est ce que je voulais voir. Après, là, on est sur Elsa. Voilà, c'est elle. C'est elle, Elsa. Et lui, voilà. Bon, c'est une blague qui sera coupée au montage. Je stand suivant. Hey, Georges. Georges. Bon, je vous enchaîne la vidéo. Je devais arrêter la vidéo, vous faire une vidéo par stand, mais là, il est beau celui-là. Ça vous fait un joli support de téléphone. Et c'est une tour. Et regardez, c'est, et là, c'est en même temps, voilà. Je vais vous faire une deuxième vidéo parce que là, quand même.